grande hâte. Toujours le dernier lever. Ouais, ok, d'accord. Bon, Nico, je crois qu'il faut que tu dégonfles son matelas. Ouais. Allez. Salut tout le monde. Alors, désolé pour cette tête, hein, c'est la tête du matin. Je me suis levée il n'y a pas très longtemps. Il est pratiquement 8h15, je crois. J'ai préparé la table du petit déjeuner. On va manger, bien sûr, faire la vaisselle, se laver. Et puis après, il va falloir ranger et démonter la toile de tente. Et oui, on part ce matin. C'est bien triste, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Bon app, les gars. Merci. Merci. Là, tu dors encore ou quoi? Ouais. Il est en train de ranger les duvets et de plier les matelas. Mais ça, c'est toujours lui qui le fait. Ça, c'est ton boulot, Nico. Alors, on a bien avancé dans le rangement. Je me suis isolée pour pouvoir vous parler et faire un petit débrief en fait de cette semaine passée dans l'Aveyron. Mais avant ça, je tiens quand même à vous signaler que en début d'après-midi, nous allons faire une visite supplémentaire. Alors, c'est vraiment que du bonus puisque on n'avait pas du tout prévu de faire ça, mais en fait, on va passer à côté d'une ville et on s'est dit pourquoi pas faire une halte et visiter ce monument qui je peux vous donner comme indice, est absolument gigantesque et unique en son genre. Alors si vous avez une idée, surtout n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires et vous verrez tout à l'heure si vous avez eu raison ou pas. Alors pour revenir à ces vacances dans l'Aveyron, eh bien ça a été vraiment génial. On a eu de la chance, le temps a été avec nous, il a plu juste une seule fois mais c'était la nuit donc ça n'est pas gênant. Les premiers jours, le temps était relativement variable avec du soleil et puis des passages nuageux. Mais surtout, c'est que les températures étaient quand même relativement fraîches. Le matin, on peut dire quand même qu'on s'écaillait. Et puis, dans l'après-midi, ça n'allait pas au-delà de 21-22 degrés. Donc, moi, je trouve que c'est un peu juste. C'est vrai qu'en vieillissant, je deviens vraiment frileuse. Même d'ailleurs, dans l'Aubrac, on est descendu à 16,5. Bon, là, c'est un petit peu normal, puisque on est quand même en altitude et puis il y a pas mal de vent. J'avais quand même deux couches de vêtements sur moi. Mais le reste de la semaine, à partir de mercredi, les températures ont augmenté. C'est même devenu très chaud. Alors je pense que nous, on a dû atteindre les 37-38 degrés au maximum, mais dans certaines régions de France, ça a été pire. Donc nous, on se plaint pas trop. On a pu dormir la nuit parce que les températures baissaient. Et franchement, ça, c'est plutôt bien. On a découvert des petits villages absolument magnifiques. Alors, mon gros coup de cœur reste quand même Conques, même si, en effet, j'ai adoré Belcastel, Najac, Sainte-Eulalie-d'Olt et puis le dernier, c'était Esteing, voilà. Les autres jolis, mais voilà, c'est vraiment les 5 qui m'ont le plus marqué. Alors j'ai vraiment aussi beaucoup aimé l'architecture en fait des maisons. Ils ont des maisons absolument magnifiques en pierre avec des toits qui sont avec des pierres relativement plates. Ça ressemble à de l'ardoise mais ça n'en est pas. C'est vraiment de toute beauté. Alors également, bien sûr, on a vu des paysages fantastiques, des vues à couper le souffle, puisqu'on était quand même très souvent en altitude et c'est vrai que les panoramas étaient à tomber par terre, tout simplement. Et puis en dernier, je vais vous parler quand même un petit peu du camping dans lequel nous nous trouvons. Alors c'est un camping 3 étoiles, il est très grand, il est bien ombragé, il y a 3 blocs sanitaires qui sont en effet désinfectés et nettoyés au Karcher 2 fois par jour, donc c'est propre. Ils ont également un snack bar, donc on peut y prendre un verre ou dîner. Nous sommes bien sûr en bord du lac de Parlo, donc ça c'est très agréable. Ça apporte de la fraîcheur, alors d'un côté c'est bien, de l'autre un petit peu moins bien, mais ce qui est génial c'est qu'on peut aller s'y baigner quand il fait chaud, c'est que du bonheur. Voilà. Également, les propriétaires ainsi que l'équipe d'animation sont très sympas. Il y a en effet des tables de ping-pong, il y a les jeux gonflables sur l'eau, mais également à l'extérieur. Pour les enfants, c'est vraiment un très bon camping. Je vous mettrai le lien d'ailleurs dans la barre d'information. Allez, je vais arrêter là, je vais retrouver les garçons, on va finir de ranger, on va plier la toile de tente et ensuite, écoutez, on part direction eh bien, notre visite bonus que je vous ai promis tout à l'heure. Alors, est-ce que le pliage a été bien fait? Super, nickel. Bravo. Eh bien, bravo les garçons. Vous êtes trop forts. Et voilà, toile de tente. Plier, ranger, c'est fini. Il n'y a plus qu'à charger le coffre. Alors les amis, avec la vue qui est derrière moi, est-ce que vous savez où nous sommes? Eh bien dans la ville d'Albi. En haut, vous avez la cathédrale Sainte-Cécile que nous allons aller visiter.